Salut, bienvenue à tous et à toutes. Allez pour une guidance à choix. Pour ça, je vous ai sorti donc deux pierres, donc notamment la fluorite et la citrine. Je vous laisserai peut-être mettre la vidéo sur pause pour choisir tranquillement. Voyez quelle est la pierre qui vous attire le plus, donc en fonction de vos ressentis. Donc voilà, choix 1, choix 2. Vous trouverez en barre d'infos donc le timing pour le deuxième choix. Je vous invite tout de même à écouter les deux, parce qu'il se peut que voilà, l'un et l'autre peuvent tout à fait parler entre eux. Ça peut être la suite. Ainsi, voilà. Alors, je vous invite tout de même à faire un choix, mais à écouter les deux, parce qu'il se peut que voilà, il y a certains messages dans l'un comme l'autre. Allez, moi je vais commencer avec le choix de la fluorite. Allez, on va prendre plutôt une guidance. Sentimental. Allez. Allez voir un petit peu. Allez pour les personnes qui ont choisi la fluorite, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Quels sont les messages à leur transmettre, s'il vous plaît? Allez, pour les personnes qui ont choisi. La fluorite, quels sont les messages à leur transmettre? Quels sont les messages à leur transmettre, s'il vous plaît? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze. Je trouve que le tableau de 12, il est très parlant avec moi. Donc voilà, moi, bah déjà, j'ai la réponse oui. Enfin, j'ai la carte oui avec le positif. C'est sympa. Allez, on va aller découvrir vos cartes. Alors, je vais juste regarder sur l'écran. Est-ce que vous voyez bien? Alors. Bon, déjà, j'ai quelqu'un qui doit se positionner avec la carte choix, d'accord? Ça peut être aussi un ancien partenaire ou lui vis-à-vis d'une ancienne partenaire. On parle d'une énergie relativement masculine, d'accord? C'est comme s'il y avait un choix de position entre la famille ou un clan familial. Ici, une prise de position à avoir. Je vois une très, très forte attraction pourtant vis-à-vis de quelqu'un. Hein, voilà, on a quand même deux fois le soleil. Hein. Que ce soit autant dans la carte de l'été qu'ici, il y a une très forte attraction, c'est magnétique. Vous êtes vraiment dans un lien, vous êtes magnétiquement attirés l'un par l'autre, d'accord, au niveau des sensations, énergie. Mais j'ai une personne qui doit d'abord se statuer ou se positionner par rapport à quelque chose d'ancien dans sa vie, d'accord? Peut-être la famille qui l'a constituée ou ça peut être aussi par rapport à la famille, d'accord? Mais on doit ici prendre une position là-dedans. Ah, il se peut que la compagne, par exemple, dans laquelle on a formé un couple, elle doute ici de la liaison secrète de son mari, hein, ou de son compagnon. Okay? Quelqu'un qui doute ici par rapport à ce qu'il n'entretient pas ici, quelque chose avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui doute, hein, qui ressent, voilà, cette notion de doute. J'ai aussi quelqu'un qui se pose pas mal de questions, dans quelle relation il doit laisser ici une opportunité, une ouverture. Okay? Peut-être que sur la période de l'automne ou vers la rentrée, il peut y avoir ici des choses qui peuvent bouger, d'accord? Cette notion quand même ici d'ouverture qui est quand même là. Et puis, je vois aussi une ouverture qui peut se créer grâce à lâcher prise, d'accord? Concernant ici une personne. Je vois quelqu'un qui n'est pas encore complètement sérieux, hein, de ce que je vois. Ça peut être aussi la personne avec qui, voilà, il ressort dans une posture d'amant ou de quelqu'un qui n'est pas forcément encore prêt à se mettre dans une relation pardon, très concrète vis-à-vis de vous. Okay? On me dit que de toute façon, l'ouverture pour vous, ce serait un lâcher-prise vis-à-vis de cette personne. Parce que cette personne, on me dit ici, elle n'est pas prête encore, elle se pose des questions quant au choix qu'elle doit faire dans sa vie. Par rapport à une question relativement familiale avec qui il a formé ici un couple depuis un moment déjà. D'accord? De toute façon, on vous dit que par rapport à vous, il y a une très très forte attraction et très forte attirance. Quand vous êtes ensemble, vous êtes vraiment bien aux côtés de l'un et l'autre. Vous ressentez ici beaucoup
de bien-être, beaucoup de cette notion comme si on était vraiment à la maison, l'un avec l'autre. Hein. Cette sensation ici, vraiment, qu'elle vous procure cette personne, vous fait vraiment du bien. Est-ce que vous lui procurez également hein, cet autre? Par contre, c'est vrai que la guidance vous recommande d'être dans le lâcher prise. C'est ce qui va vraiment vous permettre ici d'avoir une certaine forme d'ouverture, de faire bouger les choses. Mais il se peut aussi que le lâcher prise soit aussi par rapport à votre vie. De lâcher prise, de vous octroyer ici peut-être aussi des ouvertures dans votre vie, le temps que cette personne ici fasse un choix. Ok? Parce que voilà, je suis quelqu'un qui vraiment doit ici prendre le temps d'éclaircir ici au niveau de son mental un questionnement pour réfléchir à quelle est sa posture qu'il doit avoir. Ok? C'est relativement positif quand même pour les personnes qui m'ont sorti ici parce que j'ai l'impression que cette personne va finir par bouger hein, de ce que je vois. Hein. Mais plutôt vers. Peut-être que ça va commencer à partir de cet été, mais ce sera plutôt vers la rentrée. Que cette personne risque de faire un geste, ou en tout cas faire un mouvement ici, hein, de ce que j'ai dans par rapport à votre liaison secrète. D'accord? J'ai quand même deux saisons, on est quand même sur 6 mois. Ça peut aller jusqu'à l'hiver, mais bon, voilà. Parce que l'hiver, on arrive déjà 21 décembre, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici pour les personnes qui ont choisi la fleurie, s'il vous plaît? C'est vrai que cette personne a besoin ici d'éclaircissement. C'est comme si, bon, il y avait le poids de la famille d'un autre côté, il y avait vous, son attraction, son attirance vis-à-vis de vous. Voilà, c'est comme si cette personne avait été prise entre deux feux. Allez, les personnes qui ont choisi la fluorite. On vous dit de faire les efforts et d'avoir confiance dans cette relation, de parler avec le cœur. J'ai quelqu'un ici qui a soit des difficultés financières, matérielles. Qui peut être ici une situation familiale, ça peut être tout à fait possible. On peut nous parler également d'un lien qui a du mal à se concrétiser dans la matière. Ok. Il y a des efforts de toute façon ici à faire. Hein. Donc ce lien va devoir de toute façon, d'un autre côté, travailler votre confiance, travailler votre foi en la vie, en l'amour. C'est vrai que ce qui aiderait, c'est une communication ouverte, cœur à cœur. Et encore, pourvu que l'autre personne en fasse de même avec vous. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est dans la difficulté financière ici. Hein. Ça me le ressort. Il peut y avoir ici une tromperie. Donc peut-être qu'il y a une triangulaire. Peut-être que l'autre personne, de toute façon, ça ressort déjà ici dans la relation secrète, discrète. Ça peut être aussi des non-dits, des choses cachées, dissimulées. Effectivement, on l'a ici aussi avec la carte ici. Et quelqu'un qui porte des masques. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a de la difficulté ici à communiquer à cœur ouvert. Mais malgré cette difficulté à parler à cœur ouvert, on vous dit qu'il y a des choses ici sur lesquelles il y a des efforts à fournir, et notamment de faire confiance dans cette situation, et que la foi aussi peut être un élément clé dans cette situation. Allez, quel est le conseil à donner aux personnes qui ont. Oh, attendez. D'habitude, je le tire. Enfin, je l'utilise quasiment jamais celui-là. Allez, quelle est la date de cette prédiction ici? Parce que là, on peut dater avec. Allez, quelle est la date de cette prédiction pour les personnes qui ont regardé pardon, ce tirage pour le choix numéro 1 de la fleurite? Quand cette ouverture est possible ici pour les personnes qui ont choisi ce tas numéro 1, la datation s'il vous plaît. Bon, me dit dans 7 jours. Ouais, en hiver. Donc on peut de toute façon peut-être 7 jours avant l'hiver. Hein. Ça peut être possible ce que je vous disais tout à l'heure avec qu'on est entre 6 mois. Et effectivement, puisqu'on est à 3 et 3, ça fait 6 mois. Donc on arrive déjà sur le mois de décembre. Peut-être à 7 jours avant la période de l'hiver, parce qu'on est entre l'été et l'automne. Ça peut être possible. Hein. Il peut y avoir ici vraiment cette notion ici de quelque chose d'inattendu, une surprise. Parce que là, j'ai quelqu'un qui va prendre conscience, on te dit, prise de conscience de ton âme sœur, peut-être par rapport au lien ici. Hein. Ça peut être possible pour certaines personnes. Bon, à prendre avec des pincettes. Hein.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est où il y a une ouverture ici, donc. Mais c'est vrai que l'ouverture, enfin, ça serait aussi de lâcher prise pour l'instant, parce que je suis quelqu'un qui a besoin ici d'éclaircissement sur ces questions pour que cette personne prenne une position ici. Voilà, mes chers. Oui, donc, ouais, non, je disais, quel est le conseil, pardon, à vous donner? Allez, quel est le conseil à donner pour les personnes qui ont choisi la Fleurite, s'il vous plaît? Celle-là, j'aimerais bien les faire sauter. Allez, s'il vous plaît. Et vous avez deux fois yes, hein. Et le yes, il est là. C'est positif. Et là, c'est positif, hein. Franchement, le choix, pour les personnes qui ont choisi ce choix, le tas numéro 1, il est beau, hein. C'est relativement sympa ce que vous avez ici. Eh bah oui, on parle d'amour ici, une histoire d'amour. Regardez comment ils se regardent, ils sont connectés et liés à la source. Ça peut être une relation sacrée ici. On l'a ici, de toute façon, avec cette attraction. C'est magnétique, de toute manière, ici, entre vous. Enfin, on parle d'une relation sentimentale, hein, de toute façon. Donc, ouais, je pense que vraiment, il y a des efforts à fournir chacun de votre côté. Vraiment de garder foi, peut-être ici, pour certaines personnes. Parce que j'ai quelqu'un qui, comme si, soit il va prendre conscience. Soit de toute façon il avait besoin peut-être d'un temps pour justement éclaircir ses questions, quel est le choix, quel est vers qui, il va donner ici une opportunité. Mais j'ai l'impression que c'est l'opportunité, c'est plutôt la relation secrète, hein, vers laquelle on va se diriger, hein, ici, hein, d'accord? Et on va se positionner par rapport à une situation d'un foyer ou une famille, hein, ok? Voilà. C'est relativement positif pour vous ici. Voilà, moi je passe au choix numéro 2. C'est très. J'ai pas voulu trop tarder dans les guidances de toute façon. C'est juste un petit message comme ça à vous transmettre. Donc voilà, allez hop, on va aller voir. Pour le choix numéro 2, du coup avec la citrine. Allez. Allez, pour le choix numéro 2. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour le choix numéro 2? Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages à me transmettre? Allez, quel est le choix numéro 2, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, pour la citrine. Parle ici d'une situation de. Il faut aller voir, de toute façon. Ça peut nous parler ici d'une ancienne personne, d'accord? Ça peut être aussi une situation où on va vraiment faire preuve de bon discernement également. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, pour la citrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. On parle d'un retour ici. Allez voir. J'espère que j'en ai pris 12. Je suis pas sûre. Allez, hop. Ah bah tiens, regarde, la grand-mère est sortie. Elle voulait vraiment sortir. J'adore. Tout à l'heure, on avait le grand-père. Là, on a la grand-mère. Peut-être que les deux. Ça peut être que les deux tirages soient liés quand même. Hein. Parce que j'ai quelqu'un qui se pose des questions sur une ancienne partenaire. Hein. Ça peut être possible hein, que ce soit le cas. Mais c'est vrai que par rapport à la relation secrète ici, on entretient. On va prendre le temps ici parce que ça va, c'est une relation qui va demander ici de retrouver d'abord l'équilibre chacun de votre côté. D'accord? Quand j'ai la carte de la guérison, en général, c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui est à améliorer ou il y a un équilibre de nouveau à retrouver. Il y a aussi parfois aussi des comportements à changer, et des blessures à comprendre et à libérer également. D'accord? C'est une notion de temps hein, qui m'en sort ici tout de même. Et un temps qui est nécessaire pour pouvoir justement retrouver l'équilibre dans cette situation. Ok? Donc là, j'ai des personnes quand même qui ont envie de vouloir faire bouger les choses en se accordant ici une chance ou une opportunité dans leur vie. Ok? Et puis, je vois aussi des personnes qui vont peut-être être tentées charnellement
Ailleurs, également. On l'a ici avec la carte du séducteur. Ok. Donc, peut-être que voilà, j'ai quelqu'un qui va. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui attendent peut-être un positionnement par rapport à quelqu'un. En attendant, j'ai l'impression que ça ne les empêche pas d'aller communiquer de manière éphémère, par contre, ici, avec d'autres personnes. Ça peut être aussi qu'il y a un retour de quelqu'un, mais de manière un peu éphémère, un peu superficielle vis-à-vis de vous. Hein. Comme si c'était genre le temps qu'il se positionne, il peut revenir de temps en temps de manière superficielle. Effectivement, on l'a ici avec la carte retour. Donc, on peut ici revenir de manière léger, prendre des nouvelles, c'est-à-dire salut, ça va, voilà. Mais de manière très léger, hein, vraiment très léger. Soit c'est comme soit ça peut être aussi que certaines personnes, pour que, en attendant que quelqu'un se positionne dans sa vie par rapport à un ancien partenaire, on va prendre le temps ici de se guérir, de se positionner par rapport à cette situation, à cette relation. On va aller tenter pour moi d'autres relations avec quelqu'un d'autre. Voilà, avec d'autres personnes en tout cas. Ça peut être une personne en particulier, mais ça peut être plusieurs personnes. Mais je vois quelque chose ici qui est éphémère de ce côté-là, d'accord? Et pour d'autres, je n'exclus pas que c'est vraiment votre autre qui revient de manière voilà, très léger. Reprendre en tout cas ici de vos nouvelles. C'est quelqu'un qui, dans le fond, a vraiment envie de faire bouger les choses, d'accord? De se accorder peut-être même ici une opportunité vis-à-vis de vous, d'accord? C'est quelqu'un qui revient quand même à la communication, mais qui va revenir de manière très léger, hein, avec la carte ici éphémère. Mais ça peut être aussi que dans peu de temps. Enfin, peu de temps, pas vraiment, parce que quand je regarde ici, c'est positif, hein, ici. Alors, ça peut être que dans ces, voilà, dans peu de temps, ça peut aller, voilà, dans quelques mois quand même, hein, avec la carte celle-ci. J'ai quelqu'un qui revient à la communication vis-à-vis de vous, sachez-le. Et ce sera quelqu'un aussi qui aura pris le temps aussi de se guérir, hein, de ce que j'ai. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui est déjà accompagné d'une ancienne partenaire, mais qui l'a trompé, hein, parce que moi j'ai quand même des rapports charnels ici, hein, avec quelqu'un d'autre, hein, dans la liaison secrète. Hein. J'ai quelqu'un qui doit, comme si, bon, j'ai pas la carte choix comme on l'avait été là, mais j'ai l'impression que j'ai quelqu'un aussi qui doit se positionner ici. Hein. Quelqu'un qui se pose des questions par rapport à cette relation ici secrète, à se donner ici une ouverture. C'est pour ça que j'ai quelqu'un qui va revenir retenter ici une communication vis-à-vis de vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient pour du charnel, hein, également, attention. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici, s'il vous plaît? En tout cas, un retour est quand même là, ok. De manière peut-être même superficielle, mais pas que. Parce que là, j'ai tout de même quelqu'un qui a envie d'arranger les choses, de redonner ici une opportunité, de retenter ici une opportunité avec vous. C'est vrai que j'ai l'impression que j'ai quelqu'un aussi qui revient de manière peut-être charnellement, pour du charnel, pour qu'il se ressente de nouveau bien, cette personne, mais il peut repartir derrière, attention. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont choisi la citrine pour le choix numéro 2? On peut me dire ici sur le tirage. Ouais, une connexion d'âme ici. Carte de l'enfant ou des enfants plutôt, la passion. Ouais. Il y a une connexion d'âme, mais j'ai quelqu'un qui est pris dans une union, il y a même des enfants. Il y a une très très forte attraction, une très forte attirance. C'est très passionné ici vis-à-vis de la personne avec qui on a le lien d'âme. Mais j'ai des personnes qui sont aussi pris dans un engagement, dans un mariage. Oui, voilà, vraiment dans un engagement ici. C'est peut-être pour ça que la personne, elle revient de manière très léger, très superficielle ici. J'ai quelqu'un qui se pose encore des questions par rapport à une ancienne partenaire, vous voyez. J'ai quelqu'un qui doit se positionner, peut-être également, oui. Mais j'ai quelqu'un qui réfléchit encore. Parce que là, j'ai une ouverture ici. J'ai quelqu'un qui revient, qui retente ici auprès de la personne avec qui il a la liaison secrète. Ok. Envie de faire bouger les choses. J'ai quelqu'un qui a envie de faire un petit peu bouger les choses. De s'accorder un petit peu une ouverture avec vous. C'est vous qui êtes la personne non officielle. J'ai envie de faire bouger les choses ici avec vous. J'ai quelqu'un qui revient à la communication. Ça peut être dans peu de temps, hein, pour certains, ici. Mais j'ai quelqu'un qui restera encore dans une situation où il y a un mariage, des enfants, malgré la forte passion qu'il y avait ici entre vos connexions d'âme, entre vous ici. Allez.
Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur la prédiction au niveau temporel, s'il vous plaît, par rapport à cette prédiction pour les personnes qui ont choisi le choix de la citrine, et par rapport à la prédiction au niveau temps. Quand va se faire ce retour, s'il vous plaît? Il y en a deux qui ont voulu sauter. On parle de 9 mois, on parle de la nouvelle lune. Donc peut-être que comme j'ai dit, il va revenir, mais avec cette notion de temps, ça peut être en mois, donc effectivement. Donc il peut revenir un week-end. Alors c'est incroyable. Alors ça peut être aussi un retour vite fait. Ouais, donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis ça peut être quelqu'un qui peut revenir, mais de manière léger, et peut repartir. Effectivement, j'ai quelqu'un ici qui il peut revenir par exemple très rapidement ce week-end prochain là, qui peut venir. On parle quand même de la nouvelle lune. Alors, je ne sais pas quand il y aura une nouvelle lune. Je ne sais pas si ce week-end est une nouvelle lune. Je ne sais même pas. Je ne sais même plus. Mais ça peut être aussi la nouvelle lune dans les 9 mois à venir. Après, aux alentours d'une nouvelle lune dans les 9 mois après, plus tard. Parce que j'ai quelqu'un qui a besoin encore ici de réflexion par rapport à un poids de la famille. Et effectivement, là ici. C'est pas quelqu'un qui va venir juste chercher. Peut-être qu'il va venir ici chercher de manière un peu de charnel avec vous. Ça peut être tout à fait possible. Hein, dans la posture avec les cartes celles-ci, je ne l'exclus pas. Mais c'est pas que quelqu'un qui va que chercher que du charnel auprès de vous. C'est quelqu'un qui a quand même ici une connexion d'âme très intense. C'est très passionné ici quand même entre vous. Hein. Mais c'est vrai que j'ai quelqu'un qui est malgré tout bloqué par rapport à une histoire de famille, d'un engagement. J'ai le poids de la famille qui m'en sort ici. Voyez. Donc il se peut qu'il peut revenir et comme je vous ai dit, repartir. Donc voilà. Donc voilà, prenez ce retour à la légère vous aussi parce que ça ne sera pas un retour de manière définitive hein, pour les personnes qui m'en sortent ici. Hein. Allez, quel est le conseil à donner pour les personnes qui ont choisi la citrine, s'il vous plaît? On vous dit que la méditation apporte les réponses dans un futur proche. Voilà. Donc, méditez sur cette situation. Donc, il se peut qu'il peut revenir, mais peut repartir. Ça n'empêche pas que la personne ne vous aime pas pour autant. On vous dit dans un futur proche. Donc, voilà. Donc, peut-être que dans un futur proche, ici, comme je vous le dis, comme il y a le poids de la famille, j'ai quelqu'un qui cherche ici plus ou moins... encore une ouverture dans sa vie. Il doit aussi prendre le temps aussi de se guérir cette personne par rapport à cette ancienne compagne qui est mon sœur ici. Voyez. Et je vois aussi quelqu'un peut-être qui est en train de réfléchir, de méditer ici. Et peut-être que ce sera dans un futur proche qui trouvera aussi sa réponse. Après, c'est relativement positif hein, par rapport au questionnement ici. Parce qu'elle vont, c'est comme s'il va avoir ses réponses à ses questions ici. Mais ça lui prendra le temps de méditer, de réfléchir. Posée, ok, voilà, mais je pense que dans un futur proche il peut revenir encore cette personne, donc peut-être dans les 9 mois comme c'était prédit, entre là dans peu de temps, mais il reste de revenir de nouveau vers vous cette personne parce qu'il y a une connexion d'âme à âme, hein. Ok, voilà, bah écoutez, hein, prenez ce qui résonne avec vous, laissez si ça ne vous parle pas, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances astro sur la chaîne. Ciao, ciao.